suivre plus particulièrement le numéro 2 qui avait le ballon actuellement, c'est-à-dire Duncan. Arthur Duncan qui est le vétéran, 30 ans, et qui est un contre-attaquant redoutable et qui aura aussi la tâche de tenir Albert Gemrich qui au jeu des Anglais est le danger de cette équipe strasbourgeoise. D'ailleurs, sorti
est allé ramasser Dominique Dropsy. Manu Sebu. Specht. Navi. Mars. Miguel Pérou. Ah, c'est lui qui retrouverait Mars là. Peut-être Mars était bien. Il est sur l'aile. On a surveillé le numéro 11, Higgins, qui paraît-il est un ailier qui va très vite, très incisif. Il doit bien s'entendre avec Hutchinson. Alors que Callaghan, qui est un peu le fer de lance de cette équipe, ne joue pas. Il a signé 4 jours trop tard à ce club hibernien et n'est donc pas qualifié pour la Coupe UEFA. Après 6 minutes de jeu, il n'a toujours pas eu d'occasion de but. Et le public ici s'impatiente un petit peu alors que c'est Marx qui attaque. C'est un arrière très offensif qui a donné à Tanter l'avant-centre. Toujours Marx qui continue à essayer de percer par le centre. Mais vous savez que dans le football moderne, c'est très difficile de percer par le centre. Donc au centre du terrain, on a mis un petit peu McLeod. Et que nous remarquons que ces Écossais sont ma foi très rapide, très vite, cela on le savait. Ils pratiquent un football très athlétique et ils sont très forts sur les balles aériennes. Alors que sur l'aile gauche là-bas, c'est Wagner. Vous savez, on bouge beaucoup dans l'attaque de Strasbourg. On ne veut pas dire que Wagner soit ailier droit, tenter avançant ou qu'un fléchier gauche. Tout le monde est tantôt à droite, à gauche ou au centre. Et toujours Strasbourg à l'attaque, un tir de très loin de Jouve. Et le gardien de but, McDonald, a eu bien du mal à contrôler cette balle. Pour l'instant, on n'a pas vu tout à fait à l'œuvre cette équipe des Dambours, si ce n'est deux tentatives, Higgins et Hutchinson, vous verrez qu'on les verra peut-être souvent. Vous connaissez sans doute le résultat, si vous n'avez pas pris la précaution de vous réserver le suspense. Nous, bien entendu, nous vivons cette partie en direct, alors peut-être y aura-t-il de temps à autre un décalage entre ce que vous savez déjà et ce que nous pouvons prévoir. Mais nous, nous sommes là pendant le tour de la partie, à essayer de tirer des enseignements au fur et à mesure et de prévoir le score qui pourrait être celui de ce match aller de 16e de finale qui oppose Strasbourg à Hibernian de Namur. Un club d'Hibernian qui est un peu inconnu pour tout le monde, il faut le dire, on n'en possède pas beaucoup de renseignements. Si on en possède un quand même, après 14 matchs de championnat, la défense n'a encaissé que 5 buts. Alors ça, on sait qu'ils ont une défense très très serrée. Et attention à ce coup franc que vient de citer M. Cutty. Petit mur, on lobe et on cherchait Higgins, devancé heureusement par Jouve qui était là. Et là que Strasbourg augmente son rythme, qui prennent de vitesse ces Anglais qui ont l'air très mobiles d'ailleurs, qui sont même surprenants, on les pensait un peu plus lourds, les Britanniques pour tout dire, ce n'est pas tout à fait le cas. Les Écossais sont rapides, vont très vite et pratiquent un marquage très serré derrière. Marquage individuel très très serré. Et l'intervention, c'est Tanter qui était parti. Première occasion pratiquement pour Strasbourg, c'est de percer le Tanter. Joël Tanter qui est une des révélations de l'année d'ailleurs. Hutchinson. Remner, puis McLeod, qui a l'air d'être le meneur de jeu de cette équipe. Attention au centre de Remner. Hutchinson et Dropsy juste devant. Il y avait là Hutchinson et Campbell. Très bon tous les deux de la tête, ça nous le savons. Et Marx, encouragé par tout un public. Stewart avait dégagé, Duc et Pérou essaie de relancer par l'intermédiaire de Tanter. Du gauche, Tanter. Contré. Hugues Pérou tente aussi. Et dans un paquet de joueurs. Le dégagement de Campbell. Il y avait faute. Monsieur Cutty n'a pas été abusé. Campbell que M. Cutty a signalé immédiatement l'arbitre hongrois. Il va le tirer, Jouve,
Piasecki, sans doute Piasecki, la plus belle force de frappe du Racing Club de Strasbourg. Voilà Piasecki, le mur en bois, très bien placé et récupération par Domenech. Monsieur Wagner centre et arrêt tranquille de McDonald. Bien maintenant le match est un peu lancé après 10 minutes de jeu. Vous constatez que comme nous l'avions prévu, les Écossais jouent surtout en contre et ils attaquent parfois, comme là en l'occurrence par McLeod. La plupart du temps en donnant des longues balles aériennes, car vous le savez, c'est la spécialité des Britanniques, le jeu de tête, alors que les Strasbourgeois ont une bonne occasion sur ce coup franc situé à peu près à 20 mètres des buts gardés par McDonald, mais Piasecki, j'allais dire Platini, a tiré dans le mur et effectivement il n'a pas eu de problème donc pour les défenseurs écossais. Oui, ce jeu de tête est inquiétant devant, mais j'ai fait un peu la taille des défenseurs de Strasbourg. Marx 1m79, Specht 1m80. Domenech, malgré tout, 1m70, pour les connaître pas mal de temps, donc tout ceci quand même devrait plaider en faveur de Strasbourg qui devrait contenir cette supériorité théorique dans le jeu de tête des Britanniques. Voilà, le public n'apprécie pas beaucoup. Il ne faut pas oublier que l'Iberian joue à l'extérieur, alors ce sont toujours quelques secondes de gagner. C'est malheureux si on en est là. Oui, alors que la comédie est bien au point entre McDonald et Fleming. Voilà. La vie devrait sévir, effectivement, il est anormal qu'à 10 minutes de commencement de match, on assiste déjà à des scènes pareilles. Si elles sont excusables à 2-3 minutes de la fin, elles le sont beaucoup moins au début d'une rencontre. Gemrich. Domenech. Non, le voilà, Raymond Domenech, en réalité, c'était Novi qui s'était placé à gauche. Marx, Tanter et Fleming met en touche. Elle a l'air athlétique ce Fleming, très grand, assez adroit dans tout ce qu'il fait pour l'instant en tout cas. Du Pérou, Marx, centre sans doute de Marx. Eh non, la tête est britannique. Du Pérou avait récupéré et Gemrich fauché en pleine course. Ça mériterait un carton jaune, ce que ne fait pas M. Cutty, il était frais d'action. Donc voyons, regardez. Ah, c'est un tacle à la Britannique aussi. C'est un tacle physique britannique. Hein. Attention, Gemrich. Tête de Piasecki, à côté, mais apprécié par le public. En tout cas, tant que l'on se crée des actions, nous attendons de l'espoir à ce public alsacien venu en nombre pour assister peut-être à la naissance d'une grande carrière européenne. Le premier tour n'est jamais déterminant. Vous savez que Strasbourg avait battu, éliminé Elfsborg, donc c'est dans le premier tour. Alors qu'ici, la coup franc sur De Guépérou, coup franc numéro 8 de McLeod. Et voilà, carton jaune pour McLeod. Il faut dire que l'action de tout à l'heure a dû un peu déterminer l'arbitre à être plus sévère. Et c'est McLeod qui récolte le carton jaune. Donc un avertissement. Alors que Piasecki centre et rien. Et non, petit filet, on a cru un instant. Le public s'est levé. Specht, comme à son habitude, s'était jeté sur ce ballon. Venu de l'arrière, regardez, nous revoyons l'action. Bien frappé, mais dans un angle très très difficile pour ne pas dire impossible. Il est gaucher maintenant. Redner. Lance Hutchinson. Pris de vitesse par Specht. Voilà, on passe de l'étoile à Domenech. Une santé sur Raymond Domenech, tout comme Jacky Novi d'ailleurs. Miguel Pérou. Tanter en position d'ailier gauche. Centre et trouve Raé. Piasecki.
Michel. Pour Marx. Marx à Gendrich à sa droite. Préfère tirer direct. Du droit, pas mal. C'est un bon tir. On peut toujours faire des suppositions après coup. Effectivement, Marx était à droite et pouvait glisser sur Gendrich, mais le tir était beau. Il aurait pu tromper McDonald. Le grand blond aux chaussettes vertes qui dégage actuellement. Aspèche était bien monté sur les bases. Du Guépéro, Piazzetti, Tanter, Piazzetti. Et faute sur Piazzetti. Toujours le même d'ailleurs, Fleming. Piazzetti, l'arbitre en droit, Spilak sur le défait. Piazzetti, le balai défait pour Marx. Décidément très avancé. Loin de ses bases, il est vrai qu'il n'y a guère d'ailier gauche dans l'équipe hivernienne. Et je ne pense pas que la balle soit sortie. Théoriquement, ça doit être une touche. En tout cas, très vite. Voilà, c'est ce que dit le juge de touche, M. Tatraille. Et cette fois-ci, c'est vraiment un corner concédé par Ray, le numéro 10. Corner qui va tirer. Francis Piazzetti. Ah, demi-volée, c'était bon si Gendrich avait plus. Et reprise de Specht, décidément très très offensif. C'est pas mal tenté d'ailleurs. En tout cas, ce que les Strasbourgeois ont prouvé depuis le début de ce match, c'est qu'ils tentent tout, Jean Reynal. Il semble que chaque match de la surface est utilisé et utilisé très offensif. Et oui, nous avons revu la reprise de Specht, deux peu à côté. Il est vrai qu'il y a beaucoup de monde en défense du côté des Écossais. Et contrairement à ce que nous a annoncé tout à l'heure journaliste écossais, c'est Fleming qui joue en défense centrale et Bremner au milieu du terrain. Et curieux de constater que Bremner ressemble un peu au vieux Lyon Bremner, alors qu'il n'a aucun lien de parenté avec lui. Mais Fleming est très grand lui, donc c'est normal qu'il soit en défense centrale. Et vous remarquerez que chaque fois qu'un défenseur strasbourgeois monte à l'attaque, eh bien, que ce soit Hutchinson ou Campbell, bien sûr c'est son rôle, ou Wiggins, se replie, ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde en défense. Il y a pratiquement un double rideau, il y a un milieu de terrain à 4 hommes, il y a la défense derrière qui veille au grain, qui fait un marquage individuel très très serré d'ailleurs, si les caméras vont vers cette défense sur une action de jeu, vous le verrez, les joueurs sont vraiment très très gardés, les attaquants strasbourgeois. Piazzetti ici, qui a trouvé un dos au passage, qui avait essayé de lancer Specht. Corner pour Strasbourg, le quatrième, alors que nous jouons la 18e minute de jeu, 0-0 bien sûr ici à la Méno. Balle très brossée et au-dessus, derrière carrément. Et Gendrich prouve vraiment qu'il a les deux pieds car lui qui était lié gauche, il tire du droit. Il est arrêté de droit, c'est mal travaillé qu'on en voit de plus en plus d'ailleurs dans le championnat français maintenant et on voit depuis peut-être Dragan Jazzy qui a fait école. D'Alep aussi, les tirs ainsi. Beaucoup de joueurs opérant en France se sont mis ce genre de corner très dangereux pour la défense qui prennent souvent les gardiens dépourvus. Specht, très très haut, très belle détente. L'arbitre a laissé jouer et il continue d'ailleurs. C'est Rae qui a lancé là-bas Bremner. Bremner cherche Higgins, le trouve mais en jeu. Daubert, le juge de touche qui est en face, avait signalé ce hors-jeu au départ. Dropsy, il a eu pratiquement rien à faire pour l'instant, si ce n'est à l'arrêt aérien, devant Higgins. Des équipes, on va d'arriver le compte à Benec, presque surpris. On va pouvoir peut-être déborder, non, on préfère passer par l'intérieur. Sur des bannières, très joli au travail qu'avait fait Bannière ici. Attention à Tanter, l'extérieur du pied. Ah, c'est parti, c'est le but de Gendrich. Le but de Gendrich. Très beau travail de Tanter, 20e minute de jeu. Et Strasbourg, la marque ici à la Méno. Très bonne action, regardez-la. Tanter, donnez du pied droit, de l'extérieur du pied droit. Regardez, c'est bien joué, la balle avait fait. McDonald repousse et Gendrich survient. Juste au moment où il faut, à la Méno donc 1-0 pour Strasbourg à la 20e minute de jeu, but d'Albert Gendrich. C'est bien parti pour les Strasbourgeois, cela va peut-être découvrir un peu.
français. Pierre, c'est but de Gambrich à la 19e, 20e minute de jeu. Eh bien, les défenseurs strasbourgeois ont pratiqué leur jeu. Sur un dégagement du gardien, ils sont tous montés et il y avait 5 joueurs écossais hors jeu. C'est d'ailleurs une des tactiques employées face à ces Anglais, effectivement, qui laissent deux avant. Alors que Marx, ici, se retrouve en position dernier droit. Centre, Pierre qui ne peut rien, Gambrich peut-être récupérer. C'est fait. Et corner, indique l'arbitre, qui n'accorde donc pas le coup franc que le public espérait. Mais quelle différence y a-t-il? Je vous le demande, il y a simplement quelques mètres le long de la ligne de sortie. Et Gambrich, du pied droit, mal sans doute très travaillé. Voilà, demi-volée renvoyé par MacLeod. De McDonald's au pied, mais très bien vu de la part du gardien d'Iberian. En tout cas, ça chauffe sur le but des Écossais. Peste qui a failli sauter plus haut que le gardien. On peut reprendre encore, attention à Tempère. Wagner, un paquet de joueurs devant lui, Gambrich à sa gauche. Décidément, là ça chauffe à Strasbourg. Le public le sort, corner à nouveau, et le match vraiment est lancé. Signe cette fois-ci d'une rencontre de coupe européenne. Et Gambrich. Voilà, plus haut cette fois-ci, enchanté, allez, regardez, c'est pratiquement battu. Mais quel bon réflexe, il était en déséquilibre arrière. McDonald, c'est très bien ce qu'il fait jusqu'à maintenant le gardien d'Hibernian. Prenant sur le but, il ne trouve absolument rien. Mais si Strasbourg continue son pressing, d'affoler ainsi les Britanniques, c'était Wagner qui avait réussi un contre, qui a failli être favorable. Campbell. Et qui continue alors que Tempère est à sa droite, amené passer par Wagner, et corner pour changer à droite cette fois-ci. Ah, je veux dire qu'on ne peut pas parler d'affolement à proprement dit dans la défense d'Hibernian, mais en tout cas les actions de Strasbourg sont soutenues et Hibernian a du mal à faire front. Tempère corner, en retrait, les lignes à repousser, Tempère est revenu rechercher ce ballon, dans le Guépérou, et Gambrich n'a pas pu, sur son pied droit, alors que Smith se donne pour McDonald, il envoie la balle pour Bremner, McDonald, tout ça au petit trou pour ne pas dire au ralenti. Un long dégagement. Devinez pour qui? Pour Higgins, bien entendu, puisqu'il n'y a que lui. Et Hutchinson en position avancée. Alors là, sur ce genre d'action, par contre, les trois du milieu de terrain montent, laissant un quatrième homme en défense. MacLeod. Et c'est Gambrich qui devrait hériter ce ballon. Non, en réalité, Ray a pu en profiter. On relance là-bas encore pour Higgins. On prise avec Domenech. Vaincu par ce même Domenech qui obtient un coup franc dans cette action. De tirer les coups francs dans le cas d'Hibernian. Monsieur Smith au coup franc. Voilà, donc
va, très longue balle, et les attaquants mis hors jeu par la montée soudaine de la défense strasbourgeoise. Et toujours cette tactique, là il y avait Breitner qui était hors jeu, Tinson aussi. La tactique des Strasbourgeois qui savent que les Écossais jouent par de longues balles à l'avant. Dans ce cas-là, bien sûr, il faut s'avancer pour mettre les attaquants hors jeu. Mais c'est aussi quelquefois une arme double tranchant. À l'occurrence, l'arbitre de touche n'avait pas levé son drapeau. Enfin, pour l'instant, c'est une arme payante et c'est toujours Marx qui attaque. Le premier joue. Qui a cherché là-bas Gemrich. Il a trouvé. Un centre légèrement raté en déséquilibre, Gemrich sur cette action. Et Hutchinson, l'avant-centre, moins de ses bases, mais tente à récupérer. Il met en tente avec Kazeki. Ce n'est pas grave, cela peut arriver, surtout de très près. Le ballon est peu appuyé. Voilà. Et Smith carrément pour McDonald. Fleming McDonald. Ah, attention, ça, avec Higgins, ça peut être dangereux, il va très vite Higgins. Spech avait été battu au rebond, ce qui avait créé cette occasion dangereuse. Campbell. Campbell alors que, ah, les Strasbourgeois sont bien montés, là, à 3, manifestement, il est dans tous les Campbell de ballon. Tandis qu'à redonner pour Gemrich, il de bien ses qui tentèrent. Pratiquement tous les Strasbourgeois touchent la balle. Tanter. Ah, contre le dernier moment, mais le ballon passe quand même. Premier. Domenech. Davy. Jackie Davy. Eric Guépero. Ah, intervention très sèche mais régulière de Rae. Elle a très bon sur l'homme d'ailleurs, ça fait trois interventions. C'est numéro 10, Dever. Dans le Gemrich et reprise de volée, carrément de plaisir. Sans marathon de fioriture. Levy. Domenech. Oh, c'est dangereux. Oh, c'est dangereux, ça. À faire ça devant Joum, il faut le faire. Alors ils ne connaissent pas. Oh, Gemrich! Ouh, j'y ai cru. Ouh, j'y ai cru. Quelle erreur d'abord de la part du numéro 5, Stewart, de jouer ainsi devant Joum. Quand on connaît la technique de l'ancien joueur d'histoire, et Gemrich qui arrivait. C'est même Gemrich qui sent d'ailleurs. Oh, McDonald a hésité. Ça pourrait être encore une occasion. Du Guépero. Tranquillement pour Joum. Gemrich qui a changé d'aile. Voilà, qui préfère repasser à gauche, mais le ballon revient sur Raymond Domenech. Ah, ils sont tous dans leur camp, les joueurs d'Hibernian. Il faut trouver la faille, c'est pas facile. Marx, qui tire, lui, tire contré par Higgins. Voilà, on récupère pour mieux relancer. C'est joué calmement, c'est bien joué de la part de Strasbourg, qui est applaudi d'ailleurs à juste titre. Domenech, sans doute pour Marx, c'est fait. C'est Gemrich qui a dérivé de ce ballon. Il préfère passer par le centre, Gemrich et tire du gauche, soudain. Contré. On tire tous azimuts. Là, vraiment, c'est un bombardement. Ça fait plaisir d'ailleurs, quand on pense qu'on assiste à tellement de matchs où les avants à terre moi n'arrivent pas à prendre leur responsabilité. Là, au moins, on a des consignes de tirer, on le fait. Et ça a réussi d'ailleurs tout à l'heure. Gemrich. Ah, il faut dire qu'ils sont cinq, les verts à attendre. Il change complètement, trouve Wagner. Jouve. Jouve Marx. Gemrich. Ah, c'est le tourbillon. Ça veut dire que les Écossais ils perdent un peu. Je voulais dire leur latin. Mais pourquoi pas leur écossais. Domenech. Domenech en force peut rentrer dans la surface. Il va repartir. Miguel Perrault, très bien joué. Calmement. Jouve. Que va tirer cette fois-ci Panther sur les applaudissements du public. Très bien joué, très vite joué, Gemrich. Touche. Alors que nous jouons
la 30e minute de jeu, une demi-heure de jeu donc à Strasbourg. Si vous ne connaissez pas le résultat, sachez que donc au bout d'une demi-heure, Strasbourg menait sur le score de 1-0. Puis marqué à la 20e minute par Gemrich, ce qui n'avait pas ralenti pour autant la vitalité de l'équipe strasbourgeoise. On joue depuis 21 minutes, mais là c'est une erreur car il y a bien une demi-heure de jeu. J'espère que c'est notre chronomètre qui est juste. En tout cas, effectivement, le tableau d'affichage, il y aurait 9 minutes d'écart, ce qui paraît beaucoup. Revenons au jeu avec le numéro 3, Smith. Mister Smith, que fait-il? Ah, il n'a pas qu'il avait été oublié par l'équipe de la tête. Et faute. Signalé immédiatement par monsieur Cutty, qui a l'air très bon d'ailleurs. Alors qu'il y a un petit mouvement de foot. De quelques explications orageuses entre supporters d'Hibernian et supporters de Strasbourg. Cela arrive, enfin, on va se calmer très vite, et cela n'est que secondaire par rapport au match. L'avis. Allez, on voudrait bien tirer les joueurs d'Hibernian, on voudrait bien les faire venir. C'est pour ça qu'on essaie de combiner, puis on part tout d'un coup, par jour, du gauche, bien joué. Il faut tenter d'ailleurs, Magnan n'est pas content vis-à-vis de ses défenseurs. Il leur dit que dans ces cas-là, il faut les empêcher de tirer. Et il n'a pas de temps parce que ce genre de tir du gauche avec de l'effet pourrait tout aussi bien atterrir dans sa lucarne. Pour qui alors? Pour Marx. Et faute de McLeod. Alors vraiment, il n'y avait aucune raison de commettre ce genre d'action. Ça peut être involontaire aussi parce que ça paraît tellement idiot par rapport à la phase de jeu. Et comme il a déjà eu un carton jaune, évidemment, si l'arbitre en donnait un deuxième, c'était l'expulsion. Alors là, il a un peu hésité quand même. C'est un peu la tête folle de l'équipe, ce McLeod, il faudrait un peu le surveiller. Domenech. Gemrich. Espèce, toujours très avancé, Espèce. Ah, a voulu centrer en pivot, c'était pas mal fait, et on tient un corner. C'est même très bien joué. Il faut dire que ces défenseurs de Strasbourg, Jean-Rénal, ont une vitalité extraordinaire. Ils sont devant, ils sont derrière, des garçons même comme Joaquin Novi, qui l'on disait pratiquement terminé pour le football, et qui prouvent vraiment qu'ils sont tous au top niveau. Comme le dirait Kovac, c'est le football total, alors que ce corner est tiré. Oh là là, le gardien intervient in extremis. Un tir de Jouve. Eh bien, ça a encore chauffé pour les Écossais. Et je crois que les Strasbourgeois ont bien pris le match en main. Ils jouent vite et bien, ce qui est le plus difficile à faire, je crois, en football. Et les Écossais, c'est un peu débordé. Ils conseillent des corners, des coups francs. Et donc, Strasbourg pourrait peut-être bien marquer un deuxième but. C'est-à-dire que tout va se jouer sur la condition physique. Parce que sur le plan du jeu, il n'y a rien à dire. Strasbourg joue très bien, très offensif, tente sa chance à chaque fois qu'elle se présente. Maintenant, il faut savoir s'ils ne vont pas plaisir sur la fin. Parce que s'ils tiennent comme ça, ce rythme, pendant toute la partie, on risque d'assister même à un score relativement lourd. Ouais, sans aller chercher des défaites absolues, on pourrait aller mal pour Hibernian. Smith. Ah, parti sur son pied gauche. Smith est demandé par Marx. Eh oui, il y a corner. Si, il y a corner. Assez vif ce Smith d'ailleurs. C'est un ancien ailier, reconverti en arrière, alors que personne ne va tirer le corner. Regardez cette scène absolument invraisemblable. Et là, il est normal que M. Cutty dépasse le temps. Alors ça c'est presque incroyable. Mais dans un match de coupe UEFA, on se désintéresse à ce point du ballon, ou alors on s'en fait avec un certain vice, ce qui est plus grave. Aucun des joueurs d'Hibernian n'allait tirer le corner. Cette fois-ci, on s'est décidé, c'est Campbell qui a pris la responsabilité. À l'instant, j'ai cru que Stewart se jetait sur ce ballon. Et il est resté strasbourgeois, pas pour longtemps. Voilà. Alors lui, il réclamait la touche alors qu'il n'y avait pas droit du tout. Justement, ce sont quand même des vieux routiers des Coupes européennes, ce club d'Hibernian. Ça se sent, ça se voit.
pas qu'ils ont éliminé Sochaux il n'y a pas si longtemps. Et leur grand souvenir, c'est d'avoir été éliminé par Reims en 56. En demi-finale. En demi-finale. Domenech. Ah, c'est pas mal joué ça pour Wagner, mais un peu trop poussé. Un peu trop poussé. Il a centré, il était déjà à l'extérieur, Wagner. Mais c'était bien vu. Allez. McDonald. Loïs, ah, il fallait très loin ça avec Loïs. Pour Smith. Et Smith pour McDonald, et voilà. 10, 15 secondes de gagné. Je dirais que tout ceci ajouté, cela fait des minutes à l'arrivée. Pas très beau. C'est bien que on a sacrifié beaucoup de choses à l'efficacité, mais à ce point-là, ça devient un peu navrant pour le football. Bremner. On va pouvoir peut-être centrer, c'est ce qu'il fait. Ouh, il le passe sur la nuque, ça j'ai l'impression que c'est... Ça c'est mauvais. Ah, ça veut dire que Jackie Duguay-Pérou est pris un mauvais coup là-dedans. Pourtant il se tient le visage et j'avais l'impression que la main avait heurté la nuque au moment des départs de tir. C'est en terre ici. Change complètement d'aile. Avait trouvé Domenech. Puis Piasecki. Centre, Piasecki, repoussé, mais tenté, attention, petit crochet. Ah, il n'a pas pu. Et il y avait Marx qui attendait. Ah, double crochet, mais arrêté au dernier moment. En tout cas, très bien joué. Gemrich. Gemrich, va pouvoir centrer, tranquille. Oh, tête de Marx. Deux défenseurs strasbourgeois qui sont vraiment dangereux dans le jeu de tête, c'est Marx et Specht. Deux grands gabarits d'abord, 1m79, 1m80. Quelle détente! En réalité, c'est presque Strasbourg qui joue à la Britannique par moment. Pour ces grands défenseurs qui montent à battre les Britanniques de la tête, ça c'est nouveau. Choum. Ah là, il a pris quelques risques. Specht tranquillement. Versal, Domenech, Marx, très grande partie Marx pour l'instant. Wagner, puis Duguay-Pérou, paraît bien rétabli. Donc il a suivi tout à l'heure, Piasecki. On tourne un peu vers l'ouverture. On a voulu tenter, mais ça n'a pas pris. Et bien on va repartir. C'est ce qui ressort du jeu de Strasbourg. Aucun découragement, Davy. Non, là, le centre n'est pas inspiré. Il a permis à Vernier de dégager. Et à Marx de récupérer ce ballon. Non, sans mal. Davy. Domenech. Avec prolongé. Le public n'apprécie pas du tout la façon de jouer du Bergnan. Et glissé pour Piasecki qui peut s'entrer en retard, c'est toujours dangereux ça. Non mais la balle était sortie. Non, non, Specht a tiré mais c'était temps là puisque la balle était sortie et l'arbitre avait signalé sur l'action de Francis Piasecki. 40 minutes de jeu, à quelques secondes près. 1-0 toujours pour Strasbourg. Qui a attaqué sans cesse, qui s'est créé une deuxième occasion. Alors qu'il faut le dire, nous assistons à un football pratiquement négatif de la part de Hibernian, qui a beau laisser deux joueurs en embuscade. Je ne peux pas dire qu'on les ait vus vraiment à l'attaque, c'est vert et blanc. Remarquez que dans le championnat, sinon, c'est que 5 buts en 14 matchs, ils n'ont pas marqué beaucoup plus. En effet, c'est une des plus paradoxalement une des plus mauvaises attaques de leur division alors qu'ils sont premiers, en compagnie du Celtic et de Dundee.
sauve. Coffrant pour Duncan. Bonne balle de Duncan, destinée à Hutchinson, mais récupérée par les Strasbourgeois, en particulier par Jouve qui a pu pousser. Bremner va pouvoir repartir. Higgins. Privé du ballon, Higgins. Hey, il connaît cette sortie devant M. Hutchinson. Bien vu, Dropsy. Mais ce genre d'action qui paraît anodine comme ça peuvent souvent devenir catastrophique. Cela a un dixième de seconde d'inattention. Jouve, une balle que Tanter va récupérer. Il va l'approcher sur son point d'appui, Tanter. Par Smith. Coffrant. Sans doute Gazeki. Oh, toute l'équipe de Strasbourg aux presque à l'attaque. Si ce n'est Novi qui est resté à l'arrière-garde. Bien joué cette balle. Ah, il a fallu de rien que Gabriel puisse la récupérer de la tête. Vraiment deux cheveux. McLeod. Relais avec Bremner, McLeod. Hutchinson qui s'est exilé là-bas à l'aile droite. McLeod à nouveau, mais privé. Le ballon par Spech. Et par un grand enjambé. Il attendait ce ballon d'ailleurs. Pour Tanter. Pour Tanter sur cette fois de Smith. Attention. Au centre de Tanter. Trébuche, repart. Elle est terrible, Tanter. Quand on pense qu'il est passé professionnel à l'âge de 24 ans. Il en a 27 aujourd'hui. C'est destiné pas du tout au football. De Vantet, de Breton d'Alsace, et qu'ici il y a quelques mots avec Smith. Voilà, là on s'est un peu accroché. Si voilà. Bien de Smith, et le juge de lui dit relevez-vous, il n'y a pas eu faute. Vous avez vu avant Duncan l'arrière droit a tenté une attaque alors que c'est un ancien ailier, un tempérament offensif. Mais tout de suite, il s'est retenu, il a cessé d'attaquer, c'est donc qu'il applique des consignes, d'être prudent, de rester derrière. Il a surtout peur de Gabriel. C'est pourtant un ancien ailier, pourtant. Il a failli attaquer les gamins, puis arrivé au milieu du terrain, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté en disant, oh là là, je vais sans doute me faire gronder, car on m'a dit de rester derrière aujourd'hui. Il reste théoriquement 2 minutes de jeu dans cette première mi-temps, si l'arbitre n'applique pas le règlement, c'est-à-dire quelques secondes supplémentaires pour l'anti-jeu de l'équipe d'Hibernian. Oh là, il y a faux. Oh là là, Bremner, fauché par Domenech. Ah oui, oui. Là, il y a faux. Il partait, Bremner. Là, il partait bien. Alors, attention à ce coup franc. C'est Duncan, l'homme d'expérience, le vieux routier. De Hibernian, quelques hésitations à chercher, on ne sait pas qui, mais à trouver en tout cas. Ah, il a mis 45 minutes de jeu, effectivement, donc il n'a pas appliqué pour l'instant, en tout cas, une prolongation du temps. 1-0 pour Strasbourg, puis obtenu la 20e minute de jeu par Gemrich. Nous verrons ce que nous réserve la deuxième mi-temps. Duncan, numéro 3 Smith, numéro 3 Smith, numéro 4 Bremner, numéro 4 Bremner, numéro 5 Stewart, numéro 5 Stewart, numéro 6 Fleming, numéro 6 Fleming, numéro 7 Campbell, numéro 7 Campbell, numéro 8 McLeod, numéro 8 McLeod, numéro 9 Hutchinson. Numéro 9, Hutchinson. Numéro 10, Rae. Rae, numéro 10. Et numéro 11, Higgins. Et
Et voilà, 45 minutes pour le FC Strasbourg qui devrait augmenter son avantage, en tout cas sur le vu de la mi-temps que nous venons de vivre. Mais sait-on jamais en football. En tout cas, si Strasbourg peut conserver ce rythme qu'il a imposé à l'équipe d'Hibernian pendant 45 minutes et se créer des occasions comparables à celles qu'il a eues en première mi-temps, où il faut souligner d'ailleurs la bonne partie du gardien McDonald, qui a 3 reprises au moins à sauver son équipe. Eh bien, si Strasbourg peut recréer ces mêmes conditions de jeu, on pourrait entrevoir ici à la Méno une victoire confortable et qui laisserait des espoirs au RC Strasbourg pour le match au retour dans 15 jours. Alors que M. Cuti vient de donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Domenech, Gemrich, ne trouvez personne. Voilà, on dégage un peu n'importe comment du côté écossais, mais cela n'est pas pour nous surprendre pour l'instant. Novi. Ou attention, Hutchinson est arrivé au moins un peu tard, pas le récupérer par Higgins, qui avait essayé de lancer là-bas à Campbell. Du Guépérou. Ballon récupéré par Rae pour son gardien McDonald. Long dégagement de McDonald. Le Guépérou avait pu renvoyer ce ballon. Récupéré par le même, du Guépérou d'ailleurs dans les pieds de McLeod. Tanter. Guépérou peut être relancé Tanter, c'est bien joué. Ah, le contrôle était difficile, ce qui permet à Duncan de dégager. Domenech est pressé. De près par Higgins. Propsy à la main pour le même Domenech. Ouh, raté de Domenech, ça c'est dangereux. Il a récupéré. Higgins a quand même reçu un court passage, tout à fait volontaire. Vraiment Domenech, encore lui. Eh non, il y avait Campbell sur la trajectoire de la balle. Smith. Smith toujours. Pour McLeod. Il lui donne carrément ses premières qu'il peut relancer. Oh ! Directement pour son gardien. Alors là, ça devient vraiment ridicule. Là, sur cette phase de jeu, alors qu'il n'était vraiment aucun danger. Tout à fait ridicule. Commence à temporiser alors qu'il reste 45 minutes à jouer. Marche avait relancé. Campbell pour Fleming. Oui, sans s'en douter. McDonald. Je voudrais qu'il aimerait qu'on balte, on pénalise le refus de jouer. Non, à ce degré-là, c'est rare. C'est vrai, là, c'est vraiment de l'anti-jeu. Alors que le hors-jeu a encore joué à merveille. Tous les Strasbourgeois sont montés. Higgins s'est trouvé en jeu d'au moins une vingtaine de mètres. Nobby. Marx. Centre de Marx contré. Hutchinson. Eh, mais qui lançait ? Il est tout seul, Campbell, pratiquement. Voilà, un relais maintenant de McLeod. Il cherche encore Higgins. Et d'ailleurs, personne n'était venu prêter main forte à Higgins. Il était pratiquement en possession de la balle. Aucun de ses partenaires n'était monté pour le soutenir. Alors, on se demande vraiment s'il compte passer face à 3 défenseurs. Pourquoi pas ? Voilà Higgins. Très bon joueur d'ailleurs. Se battant pratiquement tout seul, et ça il faut le faire. Non, là il a poussé un peu trop loin. Sortie pour Strasbourg et dégagement de Rotsi. Je sais pas si tu serais confortable, Rotsi. Seulement ça ne suffira peut-être pas. Ça, les Britanniques l'ont compris. Casser le jeu à tout prix. Contentant peut-être d'une courte défaite pour essayer de combler puis de surmonter le handicap lors du match retour.
marche, promet Tanter avant position d'ailier droit. À centrée du gauche, Tanter, c'est fait. Dégagement Ray. On récupère. C'est par Jouve. Qui obtient un coup franc. Ce qui n'est pas du goût d'ailleurs du même Ray. Qui estime en l'occurrence qu'il n'y avait aucune faute. Piazeki. Balle très travaillée. Wagner est arrivé un peu tard. Jouve va pouvoir contrôler. Il y aura du mal, Gabriel, il est devancé là. Par Duncan. Gauche. Hugues Ferrou. Marx. Piazeki. Piazeki. Ah oui, on s'est passé en profondeur alors que Gabriel était seul à gauche. Il faudrait davantage jouer sur les ailes. Et l'arbitre, une fois de plus, ne croit pas du tout aux blessures des Britanniques. Mais pas du tout. Là, c'est Hutchinson. Alors, un coup sur le tibia, ça peut faire mal et on peut se relever après quand même. Il ne faut pas exagérer. Une scène d'un coup du monde du Munich où l'arbitre avait donné un carton jaune au joueur blessé qui restait trop longtemps à terre. Quand même difficile à déterminer. Là. Il n'est pas dit qu'il n'a pas reçu un coup. Qu'il soit très douloureux et bien que passager. Et là, à ce moment, c'est vraiment du temps de perdu. Hein. Ah, c'est d'anti-jeu total. Hey, Higgins avait eu le dessus de la tête, mais pour qui? C'est pas dévié, pour qui sont tels? Pour personne, puisque pas un maillot vert dans les environs, si ce n'est l'éternel Hutchinson. Son compère, Domenech. Ramener à l'aile gauche pour Spech. Piazeki. Ah, c'est bien joué. Jouve s'est infiltré dans la défense. Corner. Obtenu par Roger Jouve. C'est pas tellement, tellement évident d'ailleurs. Enfin. Le tireur a titré les corners, Gebrich. Attention, la balle est bonne. Attention à Piazeki. Oh, sur le pied gauche. Jouve a tenté aussi. Et il y a un paquet de joueurs. Il y a vraiment tous les joueurs du champ ou presque, à l'exception de Novi et Dena. Comment voulez-vous que ça passe? Ah, Piazeki qui avait dévié pour Jouve. Ah, qui s'est bien battu là, qui a récupéré le ballon, Piazeki. Specht, Domenech. Ah, c'est un peu crispant aussi ce jeu parce que Strasbourg domine vraiment. Voilà, Hugues Ferrou, Piazeki. Dégagement d'un Duncan. Piazeki. Faute. Ah, et carton jaune de Piazeki. Qui manifestement n'était pas content du coup qu'il a reçu et c'est lui qui a mis du carton jaune. Alors il faudrait être vraiment très près de l'action pour pouvoir comprendre. Il est certain qu'il y a peut-être des détails qui échappent de temps à autre. Plus du haut d'une tribune. En tout cas difficile à comprendre l'endroit où nous sommes. Et ça c'est embêtant pour Piazeki qui a déjà. Il y a déjà eu l'avertissement contre Elfsborg et ça peut jouer contre lui lors du match au retour. Tanter qui s'est battu comme un beau diable. Gebrich. Gebrich en grande forme. Allez du gauche. Ah, le tir n'est pas très appuyé, mais Tanter vient de récupérer. Regardez le Tanter. Il a tout fait. Il réplique ses ballons, il arrive à les redonner. Voilà, Hugues Ferrou qui le resserre encore. Il est en position d'ailier droit en terre. Et il sent. Wagner. Et faute.
Voilà. Finalement, Stewart, sans aucun complexe, et voilà. Et pourquoi l'aurait-il? On se le demande. Réclamer une faute du gardien McDonald, qui aurait fait plus de 3 pas. Cela est possible. Ah, attention, Higgins, je ne veux pas qu'il y ait un coup malheureux sur une des seules contre-attaques d'Hibernia de prendre un but, parce que là, ça mettrait vraiment tout en cause. Guépérou, Panther de Guépérou. Gaucher du Guépérou. Joué très vite. Emmerich. Haut de la tête. Il y a mal redonné. Kazé qui l'attendait cette balle. Mais il faut continuer. Il y en a un qui continue dans ces cas-là. C'est Tanter. Et il a raison de continuer Tanter parce qu'il a fait un corner. Celui-là, l'action pratiquement arrêtée. Plus personne n'y croyait. Tanter, lui, est allé. Et comme quoi, il faut toujours défendre les balles. Campbell allait passer à son gardien. Mais lorsqu'il y a un pressing, on commet une faute. Et c'est un nouveau corner pour Strasbourg. Et c'est Tanter qui le tire. Ah, c'est pas mal ce ballon. Oh, bien repris par Marx. Il aurait pu lever la défense d'Hibernian. Malheureusement. Et alors on dit qu'effectivement les Écossais font de l'anti-jeu et ils perdent. Nous voyons ce corner à la tête de Marx. La tête de Marx au-dessus. Il se rapproche. Hein. Tout à l'heure c'était très haut, là c'est encore loin. Hein. Il se rapproche un petit peu. Mais tout de même, quand les Écossais gardent la balle à l'arrière, notamment le gardien, rien n'interdit aux Strasbourgeois d'aller les gêner. Hein. Ça aussi, ça fait partie du football. C'est ce qu'avait fait Tanter tout à l'heure. C'est la première fois. Les Écossais qui voudraient bien dégarnir aussi, qui peuvent profiter de la contre-attaque. Et faute. C'était une faute de Duncan sur Gembich. David l'a vu quand même. Voilà, Piazeki et Jouve. Sans doute Piazeki, bien entendu. Piazeki, joue, c'est bien joué ça. Il faut s'entrer tout de suite. Ah, une balle très travaillée, mais malheureusement, Jouve n'a pas réussi de son pied gauche. Ah, c'est une façon de passer d'ailleurs. Ces balles qui viennent de l'aile, très travaillées, pour, légèrement en retrait pour un bon joueur de la tête comme Marx ou comme Specht. Ah, c'est un problème pratiquement insoluble de voir une équipe dominée être pratiquement seule sur le terrain et ne pas pouvoir marquer, tout simplement parce que l'équipe adverse est venu dans la ferme intention de limiter les dégâts et de ne prendre aucune responsabilité, en tout cas aucun risque. C'est beau ce qu'a fait Gembich là. Ah, il a quand même affaire à Smith. De bons arrière-latéraux quand même, c'est l'équipe d'Hibernian. Smith d'un côté, Duncan de l'autre. Voilà Tanter, lui. Qui le temps a pris le parti d'aller chercher ses ballons. Oh, Piazeki a raté aussi son interception. Son homologue numéro 10, Rae, en avait profité. Attention, Campbell. Voilà. On serait tenté de dire dans les nuages, mais s'il y en avait. Il n'est pas le cas ce soir. Enfin, une des rares attaques, en tout cas, si on peut la considérer comme telle, la due de ce club d'Hibernian, qui brille par son absence d'initiative. Allez les bleus, un refrain que l'on connaît déjà, d'autres bleus l'an dernier. C'était illustré dans cette coupe de l'UEFA. Cette équipe de Bastiat qui a procuré tellement de joie à son public et au public français, on pense, on espère. Et on sera de même de Strasbourg, ce Strasbourg qui fait tout par Gembich ici. Il pourrait reprendre sur son pied gauche, non, il est trop déporté cette fois-ci. Il peut faire un corner. Il y a une balle, je crois. Ah, il y a une main. Il y a une main de Fleming qui était de dos par rapport à l'arbitre, mais M. Cutty n'a pas compté. Il y a une main. Toujours le même problème. Est-elle volontaire, pas volontaire? Le ballon est-il à la main au ballon? Allez donc savoir. Quand ça se passe très rapidement, corner de Gembich et recorner. Concédé par Stewart.
relance de corner pour Strasbourg. Corner. Gabrich va tenter de retourner. Aïe, j'ai cru qu'il tentait. Aïe, encore récupéré. Et cette fois-ci, l'arbitre comme il a dit. Et cette fois-ci, l'arbitre peut-être en compensation d'ailleurs, soit sur Gabrich. Je pense que nous allons revoir l'action. Rae, faute de Rae. Nous avons revu cette action. Là voilà. Faute de Rae sur Gamrich. Bien évidente, c'est peut-être pas très évident, mais enfin, il y a la compensation pour le pénalty manqué de tout à l'heure. Une heure de jeu. Une heure de jeu, pénalty pour l'équipe de Strasbourg, qui mène déjà, vous le savez, sur le score de 1-0. Qui va le tirer ce pénalty? Sans doute Piasecki. C'est Piasecki. Et c'est un but. Et c'est le deuxième but strasbourgeois obtenu au bout d'une heure de jeu. McDonald est parti de l'autre côté. Je pense que nous allons revoir le pénalty réussi par Francis Piasecki. Le voici. La caméra derrière le but. Que nous appuyons sur le cabinet. Il y est. Cette fois-ci, il est assuré. Strasbourg 2. Hibernian 0. Il faut dire que sans chauvinisme aucun, le score reflète beaucoup plus la qualité du match. Et quand on jouait au football dans la cour du lycée, on disait au bout de trois pénaltys, au bout de trois corners, il y a un pénalty. Là, c'est un peu ce qu'a fait l'arbitre, il vient d'y avoir trois corners. En tout cas, l'avance des Strasbourgeois est méritée. C'est sur pénalty, certes, mais je pense que d'après le jeu qu'ont fait les Strasbourgeois et surtout la façon de jouer des Écossais, mais cette avance de deux buts est amplement méritée pour les Strasbourgeois. C'est bien, c'est qu'en général, ça fait un capital de deux buts et Dieu sait si c'est appréciable, mais ça ne change absolument pas la façon de jouer en règle générale des Écossais. Ils prendraient trois buts, je crois qu'ils joueraient encore de la même façon. En ne laissant pas rendre, se disant, bon, on en a pris deux, peut-être qu'on peut être essayer de réduire un peu l'effort, de marquer ce fameux but à l'extérieur. Encore que là, les circonstances leur aient donné une action offensive. Attention, au numéro 4, Brenner. Voilà, on a assuré par jour tranquillement. Après, il me démentir sur cette action même. En tout cas, le but marqué à l'extérieur, qui a tellement d'importance dans ces Coupes d'Europe, ne paraît pas du tout tracasser les Écossais. De Gabrich, Duncan de la tête. Dominic essaie de récupérer. Et il y a faute. Sur le numéro 8, McLeod. Là, attention, Raymond Dominic, ça l'a fait deux fois. Ne pas prendre l'avertissement, ça serait trop bête. Mais la tournure que prennent les choses et l'avantage qu'à Strasbourg. Besoin de garder tous ces joueurs pour la phase prochaine de cette Coupe UEFA. Higgins, Hugues Perrault qui avait récupéré. Jouve. Domenech, Jouve. Piasecki, Jouve. Piasecki, c'est pour Tanter qui n'était pas parti, dommage. Et une lutte terrible entre Tanter et Duncan. Se termine par un coup franc à l'avantage de Duncan. Ah, il est terrible, Tanter. Il est allé discuter le coup franc. Ça, quand on... Il y a des légendes qui ne sont pas justifiées, mais quand on dit un Breton tenace et têtu, croyez-moi, pour Tanter, c'est amplement vérifié. Oula! Oula, ce n'est pas volontaire. Mais Marx étendu au sol, c'est-à-dire qu'il a joué la balle un peu basse de la tête et je ne pense pas qu'il y ait eu vraiment une intention de Higgins, qui a l'air d'être un joueur correct. Cela peut arriver. Hibernian 0, but obtenu pour Strasbourg à la 20e minute par Gamrich et à la 60e par Piasecki. Sur pénalty et faute de Brenner.
le jour. Ah, il ne faudrait pas que le match dégénère. Faute de Bremner. Ah, il a l'air assez touché. J'ouvre à la hauteur du genou gauche. Voilà, Grèce, Gilbert Grèce et les soigneurs se sont précipités. Grèce a l'air de s'adresser au banc de touche. Ah oui, je crois qu'il va y avoir un changement à Strasbourg. Hein. Ah, j'ai l'impression que Jouve est touché. En tout cas, Grèce a demandé à un joueur de se préparer. Le voici, Roger Jouve, soigné actuellement sur le bord de touche. Voilà, donc 10 bleus sur le terrain. Yazeki contré. On a pu récupérer par Marx, qui s'est trouvé en position de milieu. Jean Wagner. Ah, il s'est heurté pratiquement à Fleming. Ah, il est difficile quand même de compter une faute, voulez-vous que Fleming soit. Il ne faut pas dire qu'il y a eu l'intention de la part du joueur écossais, il était là tout simplement. Voilà, Jouve se relève. Non, soigné sur le banc de touche quand même, donc il est possible qu'il y ait un changement. Et c'est Erlaché qui a l'air de se préparer sur le banc de touche en ce moment. C'est lui qui s'est levé, qui s'échauffe. Alors c'est Gilbert Grèce. Le voici Erlaché. Gilbert Grèce va peut-être décider au prochain arrêt de jeu de faire entrer Erlaché. Voilà, le voici l'arrêt de jeu. Entrée de Yves Erlaché, numéro 13, en remplacement de Roger Jouve. Touché tout à l'heure. Higgins. Oh. Qui a pris à contre-pied son arrière dans le cadre. Je l'en profite de Piasecki pour faire une touche. Pêche de contrée. Touche quand même favorable aux Strasbourgeois. Piasecki. Specht, faute du numéro 4, Bremner. Domenech, Yazeki, Bournovi. Le commentaire va pouvoir partir. Faute du Guépérou, Tanter, du pied gauche. En profondeur. Ah, ça aurait pu faire mal. C'était bien vu. Ah, il faudrait un troisième but pour tirer une sorte de sécurité. C'est bien que Gilbert Grèce a déclaré qu'on peut se qualifier en gagnant 1-0 et se faire éliminer en gagnant 3-0. Ce qui est tout à fait vrai. Enfin, mieux vaut en avoir 3 qu'un seul. En l'occurrence, Strasbourg en a 2 pour l'instant. Il n'y a rien d'interdit de penser qu'il pourrait en manquer un troisième. Higgins. Hop, Dropsy le premier. Bien vu. Là va Hutchinson. Un peu lourd ce Hutchinson. Higgins va vite. Lui, c'est moins certain. Alors, pour deux hommes qui sont tout à fait esselés, quand même un handicap. Domenech. Des Strasbourgeois, eh bien, ils tiennent vraiment tout le match, c'est eux qui font tout le jeu encore, et les Écossais, comme vous disiez tout à l'heure, bien que menés 2-0, ne cherchent pas tellement à marquer ce but à l'extérieur qui tente double, alors que c'est précisément Erlaché, le remplaçant qui va donner la balle à Piasecki en position d'ailier gauche, à nouveau Erlaché qui bien sûr est frais et qui obtient un corner. Alors que l'arbitre donne un dégagement à 6 mètres, alors que là, vraiment le corner est déprimé. Là, effectivement, ça paraît bizarre. Difficile de se faire une idée précise. McDonald. Yazeki. Relâché. Gebrich. Très à l'aise, Gebrich, aujourd'hui. Wagner. Ah, pas heureux, Wagner.
contré ici par Fleming, parti un coup franc. Pas plus évident d'ailleurs que le corner refusé. Diazé qui va tirer ce coup franc. Peut-être pour la tête de Mars, il était là, Mars. Légèrement gêné par Campbell. Minutes de jeu, toujours 2 à 0 et un grand espoir pour les 25 000 spectateurs que ce score augmente dans les minutes suivantes. Oh, Duguay Pérou l'a balancé carrément, un relais avec Arlaché, Marx, Piasecki, Piasecki. Et bon réflexe de McDonald. Nous le revoyons. Ah, très très beau réflexe de ce gardien qui décidément n'aura rien à se rapprocher sur les deux buts. Corner rapidement joué, un relais sur temps de terre. On dégage comme on peut. Et elle a pu récupérer. Attention à Wagner. Ouh, Wagner a voulu tirer en pivot. Et Marx était venu lui aussi tenter sa chance. Voilà, vous voyez le score, bien entendu, le temps, vous n'en tenez pas compte. Le temps s'est arrêté ici à la Bélo à 21 minutes 52. Et Higgins de la tête. Oh, c'est bien joué ça. Ouh, on avait prolongé pour McLeod qui arrivait vraiment comme une fusée. Qui obtient un corner d'ailleurs. Alors ça c'est dangereux, oui, quand on se découvre, effectivement. Alors, l'allégateur de faire un signe au juge de touche qu'il est fou, de faire un signe qui ne trompe pas, car il pourrait bien prendre un avertissement là aussi, parce que lui, il avait vu une main de McLeod. Attention, Duncan. McLeod, du gauche, n'a pas trompé à relâcher. Et Piasecki, très rapide, pour tenter. Petit crochet sans doute de temps de terre, va pouvoir centrer. Ah, mais la perd pas pour autant, si c'est passé, elle est perdue. Ah, il est terrible, tenté. Terrible. Il se bat vraiment comme un lion depuis le début de la partie. Extraordinaire, jamais battu. En revenant chaque fois qu'un adversaire arrive à lui prendre le ballon. Et étant le seul qui va embêter régulièrement. Oui, alors là, il y a un petit règlement de compte. Et c'est Hutchinson qui a poussé Domenech, alors qu'il a vite tourné le dos. Duncan pour McDonald, ça nous connaissons. Fleming. Bremner. Piasecki est intervenu, mais Higgins avait récupéré. McLeod. Smith. C'était pour Smith, c'est Campbell qui en a profité. L'ensemble de Campbell. Et ça peut repartir pour Strasbourg. Arlaché était bien revenu. Piasecki, loin devant, encore pour tenter. Et tenter qui avait contrôlé du pied gauche, qui cette fois-ci va pouvoir tenter. Mais Campbell, on va bien plus. Gêné par Rae. Ah, c'est bien joué la part de tenter. Une de contrôle en pleine course. Ce centre magnifique devant les buts, regardez. Vous avez vu le contrôle de volée. Parvient à passer Duncan. Et Gemrich. Ah oui, c'est. Et c'est Rae qui intervient. Rae. Hein. Belle occasion là pour Strasbourg. Ah là, s'ils se dégardissent comme ça derrière, les Écossais, parce que là, ils n'avaient pas habitué à ce genre d'action, ils pourraient peut-être. Parce qu'ils attaquent maintenant, alors c'est dangereux pour eux aussi. McLeod. Smith, McLeod, McLeod, Domenech devant lui, Domenech qui hésite un peu, tir contré,
par Domenech, donc corner, que va tirer Campbell. Ah, ils s'enhardissent un peu les Écossais depuis quelques minutes. Et attention à la tête de Stewart, numéro 5, qui est monté à l'attaque, c'est un très fort joueur de tête. Alors, on le joue avec Smith, ce corner. Centre de Smith. Higgins a essayé. La balle était pour Wagner, puis pour Marx. Kazeki. Allez, faut y aller. Il a relâché. Domenech. Navi. Pour Wagner. Ah, Wagner descendu. Descendu par Duncan. Qui vraiment a passé une mauvaise soirée. Tantôt Wagner, tantôt Tanter. Bien que Duncan n'est pas à la fête. Alors là, il s'est dit, il me reste une autre solution. Et c'est celle qu'il a adoptée. Il n'est pas la plus élégante, mais qui est la plus efficace. Voilà. Arrive ça un moment en cisaillé par derrière. Bien Zeki sur ce coup franc. Mur à deux pour les Écossais. Les équipes du pied droit. Oh, on a passé devant le but. Il y avait Navi, il y avait Wagner qui était là. Aucun des deux n'a pu mettre le pied. Regardez, regardez cette balle qui traîne devant. C'est le fou artistique, ça. Marx. Une balle qui avait été renvoyée par Raé. Que Tanter était allé là-bas récupérer dans son propre camp. Il transite par Navi. Domenech. Navi. Pêche. Pêche peut-être pour Gemrich. Voilà. Et c'est Piazeki qui est arrivé pour Gemrich cette fois-ci. Attention à Gemrich. Attention à Gemrich qui pouvait relâcher. Ah, il aurait peut-être pu y aller tout seul. Centre d'air lâché. Ou que ça sera dangereux. Ça, oui, ça, on le voyait partir. Ça, c'est dit, si quelqu'un met la tête. Ah, faute de Spech sur MacLeod. Ah, la faute y était. Il faut pas quand même. Exagéré, il y avait faute. Higgins obtient la touche. Que va jouer Smith? Pour le même Higgins d'ailleurs. À la lutte avec Marx. Conserver l'avantage. Ah, il est dur à bouger Higgins. Duguay Pérou qui était là. Tanter dans 16 heures. Et il s'en sort. Et il lance Gemrich qui a failli réussir son contrôle en pleine course. Campbell, MacLeod. Ah, il faut peut-être se replier du côté des feux maintenant parce qu'il devient dangereux. MacLeod. Campbell, MacLeod, attention. Oh, que ça fait dangereux. Hutchinson qui sort ce ballon. Pour Smith qui va pouvoir centrer. Non, cette fois-ci, il était en jeu, M. Bremner. Parti de loin, mais en jeu quand même. Les Écossais sont en train de prouver qu'ils sont dangereux à Edimbourg, car quand ils veulent jouer, ils sont pas si mauvais que ça. Là, on sent qu'ils ont des possibilités offensives. C'est vraiment sciemment qu'ils ne les emploient pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas. Et la première mi-temps a prouvé qu'ils avaient effectivement des consignes qu'ils appliquaient. Tant on les a vus s'arrêter dans leurs actions, Piazeki. Du Guépérou, Gemrich, Tanter. Ah, contré par Campbell. On a récupéré par Piazeki. Marx. Marx toujours. Wagner à sa droite qui va pouvoir tirer, mais signalé hors jeu. Au départ de l'action, le juge de ligne avait levé son drapeau. Y aurait-il un autre changement à vue à Strasbourg? En tout cas, Deschmann s'échauffe.
le long de la ligne de touche. Peut-être Gilbert Legresse va-t-il remplacer un deuxième joueur du champ. Attention à McLeod. Ah oui, alors, voulu travailler son ballon pour Higgins. Bien donné en profondeur malgré lui. Miguel Pérou. Alors on joue un peu la dentelle. Là, ça, c'est le genre de football qui ne paye pas quand on s'amuse devant ses propres buts. À ce jeu-là, on risque l'accident. Miguel Pérou. Piasecki. Allez, Francis, puis le public. Wagner. Ouais, non. Glissade au départ. Duncan. McDonald. Duncan. Ah, belle déviation de McLeod. Beaucoup de technique ce joueur. McLeod toujours. Et ils sont deux là. Oh, il passe, attention. Oh, il passe McLeod, attention. Ah, bien joué de la part de Domenech. Très très bien joué. Alors ça, presque moindre mal le corner sur ce coup-là. De la façon dont il partait, j'ai craint le pire. Je vous dis, j'ai craint le pire. Et c'est très bien. Se mettre enfin à jouer. Il joue bien ou quoi? Non, mais ce McLeod depuis le début de la partie. On voit que c'est un très grand technicien. C'est lui manifestement l'organisateur de cette équipe. Et au match de retour, il faudra le surveiller de très près. Bremner au corner. Longue balle. Oh, Higgins était là. On est moins sûr depuis quelques minutes. Hein. Ça, je vous avoue que c'est moins clair que tout à l'heure. C'est... Ah là, il y a des comptes souvent. Là, les Écossais parviennent à récupérer, mais à relâcher. Et dans cette situation, et dans ce terre. Et dans ce terre, tout seul. Ah, il faudra qu'il attende là pour avoir un partenaire. Ça y est, maintenant ils sont arrivés. Piasecki, qui le redonne d'ailleurs. Il y avait Wagner devant lui. Il allait chercher Arlacher là-bas à droite. Centre d'Arlacher. McDonald à la réception. Attention les bleus, il faut redescendre. McLeod. Longue balle là-bas pour Stewart. Smith. Stewart le premier sur ce ballon. Contre favorable. On peut repartir pour le Strasbourgeois. Ah, qui a poussé trop loin sur l'action. Alors que Dominic attendait. Et que McLeod était hors-jeu, mais de fort peu, hein. Vraiment très tangent. Voilà, Gilbert Gress fait signe. Mais c'est Dashman, en principe, qui va rentrer, qui remplacera Tanter, qui est vraiment fatigué. Il a tellement fait qu'il ne peut plus marcher maintenant. Duguay-Pérou pour Tanter, vous voyez peut-être une sa dernière action. Et un très beau centre de Tanter. Allez, relâché qui a rapeté sa tête, attention, c'était dangereux ça. Marx. Voilà, il n'est pas à la hauteur, mais il a compensé. David Tanter a eu un sursis, il a profité pour en faire un beau centre. Si c'est lui toutefois qui va sortir, c'est possible. Marx. Deschmann remet son sommet de banc car Tanter semble avoir retrouvé un cinquième ou sixième sou. Alors là, j'avoue que je n'ai pas très bien vu l'action. Je suivais le ballon à ce moment-là. Il est difficile de dire ce qui s'est passé. Pourtant, l'action ne paraissait pas heurter. Le ballon était déjà parti. C'est hors du jeu que ça a dû se passer. Ça, j'avoue que l'attention n'était plus du tout sur les deux joueurs. Je pense que c'est Marx, je ne suis pas sûr. Et alors c'est curieux parce que maintenant Deschmann à nouveau s'échauffe. Il a failli remplacer Tanter, maintenant peut-être va-t-il remplacer en arrière. Oui, c'est Marx effectivement. Et Deschmann qui s'apprêtait à remplacer Tanter va peut-être maintenant remplacer Marx qui semble sérieusement touché.
après Jouve, cela ferait deux blessés, c'est quand même beaucoup pour cette équipe strasbourgeoise, car Marx a vraiment beaucoup de mal, même à se relever. Mais manifestement, il paraît en difficulté, les soigneurs ne sont pas allés. Voilà, Marx qui va se bord la touche. Peut-être que les soigneurs de Strasbourg se décident. Erlacher. Navi. On joue à 10 à Strasbourg. Attention, attention. Il est partout maintenant, McLeod. Bon, il fait un forcing effréné. Navi. Navi. C'est en terre. Balancé carrément par Smith. À sa sursis. Renner. Duncan. Duncan toujours. Fleming. Higgins plutôt. Higgins, attention du pied gauche. Ouh, on va trouver l'envie sur son chemin. Ah, il faut se battre à Strasbourg. Hein. Attention, ce ballon, il est dangereux. Il n'est pas hors jeu des Écossais. Campbell qui avait voulu récupérer. Stewart. Smith. Parkinson, vraiment des bras, des mains. Zelecki. Gemrich. Wagner. Ce soit Gemrich. Ah non, le ballon qui était pour Wagner. ...86 minutes de jeu au stade de la Méno. Toujours 2-0 pour Strasbourg. Un Strasbourg qui souffre en ce moment. Ne jouons qu'à 10 d'ailleurs. Alors que Deschmann se prépare toujours sur la touche. Et coup franc sur Wagner. Alors que le public est fort mécontent. Marx donc sort, enfin c'est beaucoup dire. Il est sorti depuis longtemps. Les soigneurs sont à peine arrivés jusqu'à lui là-bas à l'autre bout du terrain. Le plus grave, c'est que Marx boite très mal, le volant est là-bas dans le lointain, ça pourrait être grave, dans 15 jours, il aura peut-être besoin de récupérer. Gemrich battu de la tête. Bremner. McLeod. Bremner, Duncan, ah, à l'affût Hutchinson sur cette action, Smith, pour prendre le temps de terre sur Smith, après le jeu a changé de physionomie, il s'attend que la sortie de jour, maintenant celle de Marx, risque de désorganiser un peu le jeu de Strasbourgeois. Et puis il y a quelques approximations quand même dans la défense. Depuis que les Écossais ont décidé de passer un peu l'attaque, Higgins. Centre d'Higgins, Higgins Pérou. Raté un peu son dégagement d'ailleurs. Gemrich, il faudra se relever, c'est trop tard. C'est difficile d'ailleurs. Puis là on s'accroche quelque peu. Sombre bataille entre Wagner et Fleming. Il a été champion depuis un moment entre les deux hommes. Wagner s'est retrouvé au sol. Bien difficile de savoir qui a commencé. En tout cas, on se frottait sérieusement entre les deux sur l'action précédente. La période des règlements de compte, hein, quand même. Oui, on s'énerve de part et d'autre, tout simplement, parce que Hugues Pérou
Jaseki, hors jeu. Signalé au départ de l'action. Allez, parce que Strasbourg, malgré tout, a moins le monopole du jeu que tout à l'heure, donc a une tendance, malgré tout, à se contracter. Et que les Écossais se disent quand même que 2 buts, c'est beaucoup. Et que vous devient en marqueur, ce qui leur donne une certaine nervosité. Marc Léon. On se dégage pour Piazeki. Vous êtes pour Wagner. C'est Domenech qui a pu récupérer. Specht, Domenech. Et fin de cette partie sifflée par M. Guti. Qui voit donc une victoire ici à la Méno de Strasbourg sur le score de 2-0. But marqué à la 20e minute par Albert Gemrich. Et à la 60e minute par Francis Piazeki sur un pénalty. Disons que le score reflète la physionomie de la partie, si l'on accepte les 10 dernières minutes où Strasbourg a fait preuve de beaucoup moins de maîtrise que lors de la première mi-temps. Mais cela laisse mieux augurer du match retour, quoique cette équipe écossaise peut paraître, sur ce qu'elle a montré sur la fin, très dangereuse chez elle à Édimbourg. Voilà, c'était un commentaire de Jean Rénal et Pierre Tangeni sur des images de Lucien Galinet.